Coucou mes amours, bienvenue sur ma chaîne Le Secret de la Bonne Cuisine. Hello my lovely people, welcome to my channel Le Secret de la Bonne Cuisine. Ok, aujourd'hui on va faire jacket potato. We are going to do jacket potato today. Donc, so you need like 1 kilo of potato. On a besoin de sweet corn, thon, fromage râpé, mayonnaise. We need tuna, sweet corn and cheese cheese and mayonnaise. This is so easy for mommy who are so busy, like I said, always said. If you are busy, you can do this one quickly. Don't waste your time. You're on my channel for the first time. Do not forget to subscribe and like it. Partager, ok? Faut partager ma vidéo si tu as aimé. Donc, j'ai levé le thon. Je vais mettre un peu de poivre. I'm going to add a little bit of black pepper and mayonnaise. Je vais mettre la mayonnaise aussi. Et je mets le maïs. I'm going to add 2 spoons of sweet corn. I don't need to add a lot. Je vais mélanger ça très bien. Donc, je vais mettre 2 cuillerées de maïs. Je mélange ça très bien, comme je dis. You're on my channel for the first time. Do not forget to subscribe. Thumbs up. Share it with friends and family. And, yeah. Donc voilà, j'ai bien mélangé. N'oublie pas de partager, aimer, like it, ok? Donc je vais bouillir les pommes de terre pour 15 minutes, 20 minutes. Et voilà, c'est fait. Pour juste 15 minutes, ça ne va pas comprendre trop à cuire ici. We're gonna cook here for at least 20 minutes. Just to cook a little bit, no, because we're gonna put inside the oven. Parce qu'on doit mettre au four, donc tu ne dois pas complètement cuire ici. Juste 10 à 15 minutes, et voilà. Et voilà, je vais mettre les traits sur mes pommes de terre pour que quand ça va au four, ça va bien bake. So I'm going to add lime on my potato. So when I put inside the oven, so it's easy to open. Ça va être facile à ouvrir quoi. Donc je mets les lime et je mets au four pendant 45 minutes. I'm going to put inside the oven at least for 45 minutes until it's golden glow, like you can see now. Comme vous voyez maintenant, c'est bien cuit, c'est bien baked, crispy outside. Parce que moi, il faut être sûr encore, les pommes de terre sont lavées. Parce que moi, la peau là, j'adore ça. Donc je mets un peu de sel. I'm going to add a little bit of salt. Je vais mettre un peu de fromage râpé. I'm going to add cheese grate, that cheddar cheese red one, but if you don't like it, you can use the white one. Si tu n'aimes pas les fromages là, tu peux mettre les blancs. Et je mets le thon mélangé avec maïs. I'm going to add tuna mayo and sweet corn. Easy, you're so busy, don't waste your time. Just go and do something quickly. We know Europe is not easy. Tu es fatigué, il ne faut pas te fatiguer. Fais quelque chose très très vite pour la famille. Moi en tout cas c'est comme ça, quand j'aurai le boulot, je suis fatiguée, je ne me cracasse pas la tête. Donc on est presque à la fin de la vidéo et c'est voilà. Quickly c'est fini. Si tu veux tu peux melter aussi, tu mets au four qui est déjà chauffé. Tu mets juste pour 2 minutes, le fromage va être melté, vous voyez. Donc c'était tout pour aujourd'hui dans ma cuisine, le secret de la bonne cuisine. À très bientôt, thumbs up, like it, partagez, bisous.